Regardez ce que je viens de trouver, c'est navrant. Vous n'auriez pas pu découvrir autre chose, non ? Cette semaine par une bonne référence franco-française. Ah, belge. Quoi ? Bah, Tata, il est belge. Attends, Moulinsart, les Dupont-Dupont, c'est bon, c'est pas parce qu'il a pas une baguette béret qu'il est pas français, Tintin. Vous connaissez cet étrange sentiment qu'il va se passer quelque chose d'horrible, du genre en voyant la boîte ? Mais si, vous le connaissez, c'est ce sentiment que vous allez jouer à une vraie horreur, un jeu de plateforme où vous allez sans cesse tomber dans le vide et mourir dans des endroits improbables. Eh bien, putain, mon vieux, vous aviez raison. Ce jeu est comme une espèce de punition cruelle que vous vous infligeriez. On dirait un concentré de tout ce qu'il y a de pire dans les jeux de plateforme. Bien qu'au premier niveau, regardez ça. Là, je dois aller prendre la vie au-dessus de la locomotive. Mais pourtant, je peux pas y aller, je veux pas sauter assez loin. Eh bien, j'ai passé au moins 30 minutes à essayer avant de comprendre que ce petit machin qu'on voit là est en fait une plateforme sur laquelle on peut sauter. Non mais sérieux, comment t'es censé savoir que c'est une plateforme alors que ça a exactement la même tête que le reste ? De retour à l'hôtel, je dois aller chercher une lettre à la réception pendant que les chiens, les cuisiniers et les femmes de ménage essaient de me tuer. Probablement le pire hôtel qui existe au monde. Et là voilà, c'est typique. Voilà, comment je passe ces cuisiniers sans me faire toucher ? Je peux pas avancer au premier plan et ils sont trop grands pour sauter par-dessus. J'ai juste à passer dessus et à me faire tuer et en plus voilà, je... Pas de dégâts en baissant. Sérieusement, c'est exactement de ça dont je veux parler. Ce jeu est un concentré de frustration et d'action incohérente, totalement impossible à réaliser. Millions de mille sabords. Après avoir évité les cuisiniers tueurs, j'arrive à l'accueil pour entendre dire qu'il a déjà confié la lettre au capitaine. Tu pouvais pas le dire avant, putain d'alcoolique. Oh, c'est peut-être le whisky. Chang est mort, quelle terrible nouvelle. Ouais, enfin, vu que t'annonces avec un grand sourire, ça a pas l'air de vraiment te faire chier, hein. En route pour le Népal, donc, vous savez, c'est vraiment là qu'on commence à comprendre que quelque chose ne va vraiment pas dans ce jeu. Je veux dire qu'un chien te fasse mal, je veux bien y croire un peu. Mais là, mais regardez, mais pourquoi est-ce que Tintin meurt frappé par une clochette ? Comment une clochette qui pèse 10 putains de grammes peut tuer un homme de 25 ans ? Donc, je trouve un gamin qui va m'indiquer le chemin, il me demande de le suivre, il repart par là, tant mieux, c'est moins loin. Allons-y, Milou, suivons-le! Mais allez, mais il est où là? Il est allé à gauche pourtant! Bon, pour parler un peu de l'esprit du jeu, il n'y a pas de souci, les graphismes rendent assez bien l'univers de la bande dessinée d'Hergé, et l'histoire essaye de suivre relativement le déroulement de la bande dessinée. Mais il y a des fois où vraiment c'est carrément trop. Vous vous souvenez de cette scène dans le film où le capitaine Haddock dévale une pente et doit passer à gauche d'une statue parce qu'à droite ça porte malheur ? À gauche, à droite, quelle différence ça peut faire ? Oh ! Oh ! Oh ! Là, il y a la même chose dans le jeu, sauf que la pente fait 20 km de long et qu'il y a 150 statues à passer. Putain, ça valait bien la peine de monter si haut, quoi. Oh putain, le caillou. Je contrôle que dalle. Oh là là, je comprends rien. Et merde, je suis passé à gauche. Mon dieu. Ouah, ils étaient vraiment sous crack quand ils ont codé ce jeu.
ce jeu est un festival. La difficulté pour passer les différents niveaux est vraiment légendaire. C'est juste, impossible. Et encore, je joue en mode facile. Et comme si ça suffisait pas, il y a un mot de passe seulement tous les 5 niveaux. Mais pourquoi tous les 5 niveaux? Pourquoi pas à tous les levels? Vous trouvez pas le jeu déjà assez impossible comme ça, sérieusement? Est-ce que les développeurs étaient juste trop feignants pour mettre un mot de passe à chaque level? Putain! Regardez ça, mais c'est juste irréalisable. Est-ce que ce jeu a vraiment été conçu pour des gamins qui regardent les aventures de Tintin sur France 3? Comment est-ce qu'un gosse de 10 ans peut réussir à finir ce jeu alors que moi-même, je n'y arrive pas? Pourquoi ces crétins censés être mes amis m'abandonnent toujours au début? Pourquoi est-ce qu'il y a un gouffre dans un avion? Pourquoi ce jeu est-il si cruel? Regardez ça. Si vous ne tombez pas exactement pile au milieu des plateformes, vous passez au travers. Plus l'histoire du jeu avance et plus on progresse dans l'irréalisable. Là, regardez, je dois me servir du vent pour sauter plus loin. Et quand j'arrive à la fin, ben, y a rien. Aucun moyen d'aller plus loin. Le piolet marche mes couilles et j'ai plus qu'à me suicider. Une bien triste fin après avoir escaladé l'Himalaya. Bon, je suppose qu'il doit falloir sauter en face et décocher le piolet en même temps. Mais putain, mais pourquoi est-ce que ça doit être si dur? Mais c'est qu'un jeu, enfin! C'est pas une simulation pour pilote de chasse! Prenez la corde de la pendaison pour avoir joué à ce jeu merdique. Vraiment, je peux pas aller plus loin, je suis désolé. J'ai passé tellement de temps à y jouer que je commence à en rêver la nuit. Il est temps d'en finir. Fair.